Adieu, pour Jean Bagay la red dans pays d'Haïti là, pour blanc manan choisi déporter yon bon haïtien jodi dimanche là. Gen n'importe 3 vols qui déjà atterri dans airport chargé koulek ba, mwen pa bon menti, ça red net. Gen yon bagay ki m'ap gade côté parents haïtien yo choisi abandonner petit yo nan rage ya et yo même yo choisi déporter rentrer dans pays d'Haïti a yo même sel. M'pral bon plus détail, m'pral explique yo même m'ap mande ou pour capable abonner avec channel là l'on fait ça ou à permettre d'avancer pour plus devant et ou même ou à prêter plus près information yo. Salutations avec nous toutes. Ouais dans pays d'Haïti l'on voit un jeune femme jeune garçon li travaille li entre dans sol li marche sol li semble ti cobli pour quitter tout l'enfer ça en parlant des pays d'Haïti pour l'allons l'autre pays de coutume nous connaissons déjà ça représentait un gros effort dans une famille mais parfois effort ça que moun non comprendre fin bat droit pour le faire bé ou comprendre li prend toute brimade ou comprendre nan men rakete li arrive dans l'autre pays a et bien effort ça li kon paraît nul parfois mais l'autre c'est l'autre tande question déportation zanmi ta Haïti media on yo ou pas mande m causer après toute image ça yo que n'té wè quand on paquet haïtien t'a prend refugio en bas un pont yo fait me comprendre pont ça yo relé le pont Texas la pli gros vent ti mon abdomen nan serein pran ti ben ou sans zizi parce que konn mesdames haïtiennes yo même les a bien c'est toujours ap cacher l'ombre nous te wè façon té nan rivière a y a bien façon tout y a traversé rivière même m'ap gade on pente ki sou rivière a pendant y a traversé rivière ça même pa bon menti kèm sauté kèm fè bip 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 parce que m'pè si toutefois pi ou ta glissé même chou bata mouri mais ou ta prend gros choc et nous konnen tout ki va les péripé et comprendre ki va les problèmes péripé si moun sa ou konnen nan ou ta vraiment important intéressant pour mal ba nou yon idée. Ouais, on fait ouais. Pas quoi nous nous désert. Nous nous désert pas même bien. Pas même côté pour parler le soleil. Bon ouais, côté quoi la bi bon mais gros vent gros la bi bien là nous là. Là nous dans caca net. Gros vent gros la bi. La tika y a voltige. Ah, mais caca. Mais là qui caca nous même. Mais là qui caca nous. Merde. Hey, côté gagne du passé 10 000, 500 000 mounes. Hey. La pluie a venu la vase. On a caca. Allez, tu vas mourir la pluie. Quand il y a un casé, il y a ce qui nous a caca. La salle a eu un café. Bon, m'pense nous garder, nous vivre avec moi ou bien revivre comment moun yo teye nan tout frage ça. Comment moun yo teye nan pa kou yo tap fè pou te rentre nan te benyan en parlant des États-Unis. Mais kounya ça pas anyen. Fòm di nou jodi a blanc manan choisi débarquer en Haïti avec yon touf haïtien. Comment bien lèm dou touf? On a dou touf fumi tellement gen haïtien ki rive sou boutè Jean-Jacques Dessalines ça, m'pa ka pale. Et fòm dou selon yon nan déporté ou t'ap pale pour façon blanc fait déportation ça yo prend haïtien ça comme moun ki sans famille comme moun ki pa gen a ki crier a ki aller parce que c'est nan moment y a dormi et puis yo sekou yo di on a fait pas dormi di chodi a prêté babouy pour sèche et ça que yo di bloc iné des heures du matin yo prend moun yo di haïti lié tonton passé menan genou passé dormi an pa endormi là et puis fòm di nou zanmi haïti media on yo nan moment déportation ça gen kèk déporté pour moi même qui semblait gen un regret qui envahit fon cœur on pour ça parce que c'est vrai yo ta vive dans pays Chili yo décide prendre route trajet ya mais m'attendé yo nan déporté qui dit pays Chili c'est un bon pays li pi bon même parce que côté il te prend comprendre route li te prend dans rage ya pour le ta aller dans pays Chili parlant des États-Unis li fait comprendre pour lui même Chili pi bon que États-Unis mais problème Chili gagne c'est parce que pays Chili problème papier ya li représenter sa vie cause que yo même yo pas ka travail puis ta jwenn papier ça là sauf si ta gon travail comprendre ki d'accord siyen yon contrat avec yo les ça t'a faciliter la tâche puis ta gen papier ça imagine ou wal nan peyi Chili yo dou maman mouri maman te chè pou oui à cause ou pa gen papier obligé a crier nan mouchoir ou a voye cob mais présence ou t'a vraiment important sou rentre ou rentre net et comme ça que li ça fait gen en pile ti ménage là qui perd ménage yo pas besoin entrer dans trop cause parce que c'est la peine nous kon la nèg la tout la Chili là ou et l'ap tande
papier difficile, les jeunes l'autre femme l'autre boîte de ya, pli grosse tombe. Ah, ma besoin parler trop causé. Mais déporter ça que t'as parlé, il était vraiment important intéressant. Ça le t'a dit yo pour capable partager yo avec vous. On a le temps de. M'te faire ou tapier, même pas aucun côté m'braler égal encore. Oui, moi j'ai petit chilien, oui, j'ai petit chilien. Non, l'el grand lui-même la tourné dans pays, il gagne passeport chilien et chilien lié derrière lui-même la tourné dans pays, l'el vle l'el 18 ans. Pour me donner chili là, m'pas gagne résident chili chéri doudou. M'fais 4 ans chili, c'est petit que t'es bon mon canet 1 an. Ouais chili, pour gagne papier chili, il est très difficile pour gagne papier chili. Mesdames, yo, pour yon bon papier, faut qu'on go travail qui bon contrat, et pour travailler à bon contrat, faut qu'on gagne papier. Faut qu'on gagne papier. Ouais, qui difficulté qui gagne pour nous gagne papier chili, qui donc, si m'bagne résidence qui j'en m'a fait tourner. Pour qui ça, vous voulez quitter chili pour entrer les États-Unis? Parce que chili, t'es gagne problème. Chili, pas gagne l'autre problème que papier. Chili, pas gagne l'autre, sans reproche moi-même. Pendant ma faire route, là, m'bako, j'en passe au pays que États-Unis, qui plus bon que chili. Pas bon pays pi bon chili moi quitte le pour papier parce que chili pas vle bay moun yo papier c'est problème papier nous gain imagine ou chili ou gain 4 ans ou gon ti moun haïti ou pas ka rentrer cause ou pa gain papier ou gain 4 ans gen moun ki gain 5 ans chili kap soufri de fami yo ki haïti ou pas ka rentrer combien jours ça te toi ou pour sorti de chili ou aller chéri m quitte chili 9 juillet me fait 2 mois me fait 7 jours en barrage, rage d'Alien, rage de Colombie à Panama, me fait 7 jours en bas. Donc je suis là, c'est pour de manière légale. Caillou qui j'en sais tout. Chérie, aucun problème parce que je suis là, sous tes côtés, je fait là. Parce que quel que soit, je là, taille, et vers Jean, je suis vivre là. Parce que c'est pays me lié. Moi même problème moi c'est genre déporté. Le problème moi pas parce que me vinn là, parce que me vinn dans pays. Pas que côté m'a senti plus à l'aise que dans pays. Même l'elle gè problème pas. Moi même moi c'est pas problème moi c'est parce que c'est genre déporté nous. Yo déporté nous. Yo déporté nous tant qu'on bon monde sans famille, tant qu'on monde qui pas gè tête, pas gè en tête, pas gè monde qui ka plaider pour nous. Parce que d'après la loi pour déporter nous faut nous bon nous un papier qui écrit déporté qui écrit à déporter nous et pour nous signer nous pas signer aucun papier c'est yo qui signe papier yo prend passeport on en met nous yo pas venir mettre nous non et pas ça là c'est dans avion yo remettre nos papiers tout ça est illégal lié yo fait bagarre illégal il a fait déportation venir relever nous dans cabane à 11h minuit pour faire déportation pas faite à l'heure ça. C'est n'importe avion te vinn prendre nous côté ou ta travail. Non, Texas nous t'es dans prison. C'est sous faute ça Kounyan t'es passé. Yo mettez nous dans prison Texas et puis yo al mettez nous dans avion San Antonio, en zone dans Texas. Qui relè San Antonio. C'est là yo t'allé ensemble avec. Grand pile monde qui t'avait fait quoi c'est bapon yo prendre nous. Est-ce que c'est vrai? Comment bapon prendre? C'est bapon et avion. Chéri, écoute. Texas. Escuchame. Là que vous êtes au Mexique pour l'arrivée à Cunha, pour traverser Rio pour aller sous frontière américaine, un gros pont. Parce que il y a un pont qui sépare l'Amérique avec Mexico. Qui donc, puisque pour lui-même, de pour finir passer de l'eau, c'est pour nous joindre, il a tout fait nous faire ce cas là pour nous prendre pour aller mettre nous en prison. Mais tellement il y a un pile haïtien qui vient, ça arrive à faire 6 jours, pour faire 5 jours. Moi-même, j'ai fait 4 jours en bas. Comment pour ça terminer? C'est pour frontière à Cunha ensemble avec les États-Unis. Et quoi ça pour régler? Bon, qui côté tu es sorti d'Haïti et qui côté pour aller là pendant ce temps-là? Li, m'oblige à dire qui côté me sorti d'Haïti puisque c'est haïtien. Non, m'oblige, nous seulement dans qui zone? Dans qui zone? Avant d'aller Chili. Ah, moi-même, moi t'habite à Kafou. Et tout le monde Kafou, mais l'âme fait l'âme grandit mon Kafou. Donc ça veut dire pas peur malgré l'insécurité qui gagne au niveau Matissan pour traverser là. Qui ça pour me faire et pas ici mieux? Qui ça me prend le père là encore? Bon, venez là, je suis là dans le pays pour me faire pour mal passer Matissan. Même le Matissan pas bon, quel que soit le genre, tout le monde qui l'a donné, il y a que même gens ensemble avec moi, oui. Qui est-ce que tu peux faire ça dans mon là? Ça, ça y est. Ça, chérie, c'est sous l'île, nous donne. Ça, l'île là. Ça, mais vous savez, nous devons prendre pour citer Freddy. Et puis tout le monde, Freddy, qui est tellement raide, dès pour entrer pour gripper, tout le monde est grippé même. C'est à ça que nous voulons trouver. Normalement, ça, il y a sous le coucher, sous le bourre. Mon cher, pas de traitement. Comme dans les États-Unis, dit lui-même, il est là pour l'accueillir. Pas de traitement, attendez. Qui est-ce que nous voulons faire ça?
Là, on peut en prison, Coco. Tu es là, on peut en prison, yo baou lui. Pas que l'autre côté, yo baou, là, que l'on peut en prison. Sauf nous-mêmes, en tant que, sauf nous-mêmes haïtiennes qui étaient en prison, ça? Non, il y a vénézuéliennes, il y a équatoriennes, il y a colombiennes. Mais c'est nous-mêmes, nous, yo plus maltraités. Parce que l'autre monde, yo radio, comme ça, yo mande radio, yo mande pour changer radio, yo radio, même, yo style qui. Je compte me rater bien bas pour moi comme ça. Est-ce que tu avais dit que c'est un zak raciste? Comment dis ça? Parce que raciste nous subit de tous côtés. Parce que moi-même, bas mon côté, bas pour couleur, pour moi-même, bas subit pour lui. Et pour ça, quand passer dans pays, nous tous bas payer pour lui. Vous comprenez ça, Mzoula? Ils sont zak raciste. Et les finis tout. Ah, mon yo, y a problème, chérie. Mon yo, y a problème. Dans toute phase, y a problème. Y a pas prêt vrai pour aider nous. Y a pas vrai. Y a pas prêt de nous. Et bah oui, la partie ma chère. Merci. Ok. Bon, nous t'en des belles ti madame ça qui gagne 4 ans dans le pays Chili, la bien vivre, il a bien mené, mais elle choisit, il a choisi pour un outrage. Je vous dis, il a enragé l'équipe dans le pays d'Haïti à cause de problème papier, elle a besoin de la vie meilleure. Bon, qui te bagaille ça? Bon, bagaille qui pas être plus drôle pour moi-même. M'a regardé dans un moment. Haïtien qui choisit, voilà, m'a pas dit qui choisit, non, qui a déporté, ou pas capable de déporter, parce que, façon d'essayer de rentrer aux États-Unis, hein, l'idée est tout à fait illégale, nous d'accord avec ça, mais faut me dire, nous, dans le moment de déportation, hein, y a une famille qui est obligée de quitter Timounio, n'enrager, non, en façon d'abandon, comprenez, y'a abandonné Timounio, y'a un monde qui est sensible dans le pays, hein, vous comprenez, y'a qu'après Timounio, décider de bailler au papier, décider de bailler en vie, au lieu pour famille ça lui-même, t'as rentré avec Timoun ça, dans tout l'enfer ça. Mon cher Mbabo menti, ou Haïti, insécurité dans tout wow, phénomène kidnapping dans ces babalés, pour pas qu'être notre bagage encore, cou la via, li vraiment pas codium pour nous. Vous comprenez? Bon, m'a quitté ça là. Mais ça vraiment important, après toute déportation, ça, tout le monde sa yo qui yo déporté, et gagne toujours parce que yo après près 13 à 14 000 qui te en bas pour Texas là, et bien, ça m'a Haïti Media on yo, y a posé question pour demander est-ce que gouvernement haïtien li en mezi pour le capable recevoir moun sa, même pas menti, même s'il te 8 millions, yo d'après se voir. Par contre, comment on d'après aller pile sous pile, insécurité à plus, on d'après l'affecter, m'a connu. Mais yo d'après se voir ce qu'il y a l'état sans coutia, et bien, faut me dire, nous, premier ministre actuel PIA, qui pote non Ariel Henry, qui non impliqué dans l'amour ancien chef d'état, m'oblige à rappeler nous ça, et bien, faut me dire, nous, mouche ça, li prend la peine pour moun sa yo qui rentre. Jodi à la, et gen moun encore qui pral vini, li trouve un message complet. Ni pour moun qui rentre yo, ni pour moun qui vini yo pou le di, retourne la kay la maison, mais c'est bon, fado la caille c'est la caille nous n'en la peine nous n'en crier mais résigner nous n'a fait j'en connais pour nous capable vivre n'a résigner nous c'est résignation qui fait l'homme en attendant de façon PM là chef du gouvernement l'étape adressé avec moun sa yo que blanc maintenant déporté jeudi dimanche là qui portait date 19 septembre en al côté frème action mieux ici tant coup l'autre bodo c'est avec un pile la peine. N'a regardé sur les réseaux sociaux, ak nan télévision, et puis n'a attendu nan radio, tribulation ak pénitence, frais ak chenou ap subi nan frontière pays Mexique ak États-Unis. Image sa yo simè la troublay nan ke nou, et puis touché dignité tout haïtien. Qu'est-ce que soit sa yo pensé, quel que soit côté yo. On a constaté bal cité frais ak chenou yo dans pays sa yo, c'est une obligation pour moi comme chef gouvernement pour porter tout support by organisation ak moun kap travay avec migrants sa yo. Depuis le monde est monde, t'es toujours des migrants avec immigrants. C'est pour ça moi passe instruction by toute autorité haïtien ici kou l'autre bord de l'eau qui concerné par question ça pour mener bonne enquête et faire bonne évaluation situation pour yo faire une proposition rapide au presto pour nous voir qui gens pour nous accompagner frère action yo dans malais pandier ça frère action haïtien on nous mettait tête nous ensemble pour nous capable vivre bien la caille nous sans que nous pas prend honte ça yo frère action yo. On mette tête ensemble pour nous bâtir un autre pays côté tout petit peuple là capable vivre tant qu'au monde. Nous reconnaître que pays noir gain en pile problème. C'est pour ça m'a fait tout ça qui n'en pouvoir moi
même Jean, président Jovenel Moïse, te mandé ça pour mettre sous pied bon jeune structure pour organiser élection libre et honnête pour la paix qui a blahi dans tout pays. Et puis comme ça, yon allé mieux pour tout le monde sans distinction. Malgré crabe la pagra, nous décidons pour nous accompagner frères et sœurs nous qui a tourné la caille dans le pays pour être capable de recommencer à organiser comme ça doit. Frère Maxime, yo, moi partager souffrance nous à toute peine que n'a enduré. Et m'a demandé tout haïtien et haïtienne à la ronde bade pour ba le pays a yon chance. M'a dit nous la caille gen problème, c'est vrai. Mais la caille c'est la caille. Que bon Dieu. En effet, nous tendez PM Ariel Henry façon tap adressé avec déporté sa yo. Qui là ou même ou qui était Haïti. Moi qui étais à Haïti depuis 2017, à nos jours, je suis passé au Chili, passé un peu de péripéties, tombé dans le trajet. Et là, je suis quitté le trajet malgré un peu de temps, parce que même là, je viens de perdre. Mais quand il y a là, ça qui passe, nous venons tomber à Miami, je déporte nous sans nous mettre. Texas. Le déporter nous. Malheureusement, il va quitter nous avec rien. C'est comme si on mettait nous en prison sans manger, sans rien. Matin, quand nous relevons, nous disons ça, à nous aller, puis à nous mener, nous aller. Mais nous garder, c'est dans n'importe où. Donc, qui est-ce que tu as sorti Haïti? Donc, je dis à la, est-ce que vous avez une famille qui est déjà venue se voir? Non. Mais parlons ensemble avec nous. Si vous voyez, c'est de manière illégale pour rentrer dans le pays, est-ce que vous êtes à l'aise parce que la caille là? Oui, à l'aise parce que la caille est mieux, mais malheureusement, je ne peux pas venir, je ne peux pas. Dès que c'est la caille qui vient, la caille est la caille, mais je ne peux pas penser à venir sans rien. Je prends nous, nous pas gagner rat, nous pas gagner même dit tout. Qui est-ce qui te force à nous quitter le pays? Les autres qui te permettent de quitter le pays parce que l'insécurité est très forte dans le pays. Nous ne pouvons pas faire ça pour nous faire. Et nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas boire, nous ne pouvons pas travailler. Nous sommes chauffeurs camionnettes, nous pouvons marcher, nous sortir avec elle. Et quand on fait, nous ne pouvons pas avancer. Pour les autres acteurs, nous devons quitter le pays. Mais la situation n'a pas changé. Qui j'en fais? Comment on va sentir la loi retourner la caoula? Bon, ça va porter bien même quand il y a la banque qui s'en va faire dans ce moment-là, parce que et toute activité déjà économique déjà crasée. Vous promettez nous pour accompagner nous, responsable ici? Personne. Nous ne pouvons pas rien parce que ça fait de son avion là, on va si pas accompagner nous ou non pas. Qui j'en relève? Oui, les 10 données Kassai. Merci. Mais quand il y a, si nous avons tout prêt là, voir information, nous prenons faire logique pas nous. Imaginons, moun nan quitte pays d'Haïti pour faire pas bon. Li rentre Chili ou bien l'aller Brésil. D'ailleurs, de kon vague la pi bien passe. Mouman, gen en pile ti famim, en pile ti zanmim, qui allé dans vague si là. Ça pour un problème. Après un bon temps, dans pays Chili, li pa ka jwenn papier. Sa cause la soufri, li pa ka jwenn travail. C'est sel nèg la, pour mesdames yo, c'est sel nèg la qui lento, c'est li ka ba un ti kop. Imagine, fanm ou apprendre ou l'autre bon. Mon j'ai li même li nan tout l'enfer Haïti. Ma mère dit rien encore, même si c'est noir voyé sous blanc pour capable gen dégoudé dans poche tout. Et imagine, pour Brésil, ti kop moun yo a touché ya, li yo fait comprendre li pas répondre avec besoin toute famille yo qui yo gagné comprendre pour yo comme que yo spend dans pays d'Haïti. Ça sont pas quelques problèmes qui paraît là. Eh bien, journée jodi a, yon l'autre paraît dans oreille pour dire oh tonton, pendant n'a souffri la gon moun ki di m gon outragé qui débouché sous paradis, pas sous paradis non, sous États-Unis oui tonton. Fòm lancer qui ça, marché, ou comprendre marché en pile. Zone n'est pas bon, route la difficile, mettez ti kop nan pochou parce que embarrage a wa fait vie rencontre. Mesdames yo même pas besoin parler causer a comprendre pas capri nan malè moun, mais ou konnen ti nèg an chou prèt là toujours ap satiye nous. Mais faut me dire nous rage a la gen tout pour ou fait tout style de rencontre parce que des bon embarrage a ou exposé, gon paquet tout embarrage a parfois pas besoin kob et fòm yo besoin. Nous konn sa pi bien passé. Et bien faut me dou tout, yo dou fòm lan faut pas embarrasse ou. Pi faut bagay obligé kite ou nan kay, mais faut
mettez cop dans poche ou pas marcher avec trop d'en ni non parce que route la longue de temps en temps marcher ou cacher ton bagage parce que tellement senti le facile kounia après tout effort ça gen moun yo abandonné dans route la dernièrement là n'ta fait une émission avec nous côté montrer une petite dame qui abandonné pour maman imaginez nous gens ça dit vous comprendre gen moun qui abandonné ti moun dans la dans rage ya gen moun qui pas même gitan rivé dans moitié route vous comprendre soit fatigue permettre li di babaye avec la vie ou bien le tomber dans falaise imaginez nous après toute péripétie sont fin passé ou rivé au Mexique yon simple barrière pour yo ouvert pour aller dans paradis et bien faut me dire ça la cause ou tourner dans pays d'Haïti pour qui ça raison li simple c'est à cause ou t'es rivé dans pays ya de manière illégale mais imaginez m'a tendé yon nan déporté k'ap parler avec qui fait me comprendre pour rage ça ou elle passer là dedans là li dépenser s'il a compté le dépenser après près $10,000 vet compier pour wow. Tendez gozé oui $10,000 vet compier pour wow. Moi même pas pral di a monsieur fou li enragé bagay non parce que nèg la li konnen ki sa t'ap andire nan pays d'Haïti parce que majorité moun ki yo déporté là c'est moun ki té Haïti yo font voyage à Saint-Domingue rive Saint-Domingue li pa être plus facile pour rentrer Chili au Brésil et aller là lor rive Brésil ou a faire route pour aller au Mexique rive au Mexique pour aller dans Ponte Exas là et bien aurait pim béon comme pas besoin pas bon moi monsieur fond bail là sous raison schéma bon pas connait monde qui donne la électricité il a compris bien que moi mais c'est ça que moi là parce que nèg là lui même $10,000 qu'elle connaît investi là c'est parce qu'elle connaît dans pays parce qu'elle connaît de coutume consacré lié l'arrivé dans pays blanc l'argent et qui oubral qu'il ça au penser est-ce que nous là et bien nèg là c'est pas un problème $10,000 ça t'a travail dit pour lui il prend il investit dans outrage là il fait pas quoi s'il rive le rive il pas arrivé tout affecté garder c'est résignation que fait l'homme mais comme ça que yo dit et ben journée jodi a pour nek sa li même yo déporté dans pays d'Haïti et c'est s'il pas gain papier même processus si c'était fait pour être capable aller dans pays Chili première fois il d'abord aller là c'est même processus si ça il va obligé faire pour retourner dans pays malgré me connaît gain quelques agences gain quelques on comprendre capable dire moi nek sa diplomate qui va laisser comprendre alléger bagaille là pour dire moun yo tourner dans pays parce que gain moun qui quitter pays d'Haïti avec toute famille avec tout ménage li ou comprendre petite li qu'a vivre le bois et parfois gen celle même qui tourne Haïti là qu'on a toute bagaille ou pral recommencer et gen moun qui tellement ouais la difficile yo obligé di chéri font rete quitter mal et moi même si me réussi me rivé m'a voyer pour de manière légale parce que connaît ça pral faire bail illégal que lié mais bagaille vraiment rien pral di nèg disposé prendre tout comme ça rentrer Haïti vinn font business qui bol pral faire business Haïti ya d'ailleurs journée jodi a entendé you nan moun comprendre qui c'est pour était stade 1000 mais journée jodi à côté yo éteint la ville à cause de le kidnapper la fait rondon mon li pa vle nèg yo éteint suffit m'a regarder image cadavre mouché a toute tête li crasé mes amis ça m'pral di là mais kounia question m'a posé qui ça mouché Ariel Henry pral faire avec près de 13 000 moun sa yo que blanc m'en a déporté voyer ba nous là parce que bagarre la li simple oui li simple comme bonjour nous non pays chargé avec insécurité est-ce que moun sa pral entrer là bon aussitôt rentrer ipso facto yo tout affecté avec phénomène kidnapping là yo tout affecté avec phénomène insécurité sous toute forme ça bagay vinn pire dans men nou la bagay vinn bay yo vinn mabial net d'ailleurs pouvoir d'achat pa n'importe moun ki gagne ou gen ti cobla travail dans factory blanc font façon pour style toujours travailler avec ti cobla payo l'on pa ka faire moto pa ka faire descendre parce que vraiment triste malgré me connais gen moun la ti cobla bon yo déporté au bout 1 pour 2 y a tourner Chili y a revivre la vie yo parce que vie Chili a pimé par rapport avec vinn vive Haïti. Bon, en pile cause parler là, mais yon nan bagay ki important, moun ki fèk antre Haïti yo là, pas oublier avec Mwenga Haïti gen des produits, gen zouti, gen bon, gen zouti a son pomade lié. Comprendre qui fait avec environ 8 produits organiques ka permettre ou allonger trol puis nous Freddy saute calo, c'est rien li même saute sabato l'autre bois, ou ap gen besoin gen zouti a l'ont passer dans trol puis nan, la bon un allongement de 3 à 5 cm, ou gen longueur dans fond jambou en même temps dans Gilles Brice ou ap joine gros c'est tout, ou ap joine merveil ça m'a dit là dans presque 2 mois sous passer régulièrement, ou ap passer deux fois par jour et en même temps gen bon qui sont comprimés qui fait avec 13 plantes naturelles qui là pour augmenter libido pour faire des sec conquépin tout chipé femme la capable chipo parce qu'on a le gain stress dans col il déjà pas sous ça l'homme mouté les résidus sont moutés sont en déa et bec à toi vin faire et bien moins gars Haïti gain ban dans l'hypothèse pour capable paraître très résistant dans match si là reléo dans 37 55 46 06 ou capable reléo tout sous tout fois moun pour moun qui à l'étranger au kounia 514 886 97 76
ou vam doutou, de pou rele yo, y a bon plaisir et y a privé sou atan. N'importe moun ko to trouvo nan monde lan, rele moun ga Haiti, y a bon service. Et pa oublier application pa gen lòt nan, l'hypoténose Abdil, c'est une application qui fait spécialement pour même qui nan zafè business ou même qui gon projet kanyan ou gon carence en client ou vle mete le sou pied mais ou gon problème marketing, pa gen problème. Avec Abdil la, li rezout tout ti bagay sa dan nan 21e siècle, gen kek bagay ki pa problème encore. Fin dans notre application, ça mette sous smartphone nous, fait photo tout pour ou gen désir pour vendre avec l'autre monde, ou mettre poster sous le bouton de l'application Abdil la, ou après comment la vente courait pas tes chaud et en vérité, yo pral dou nan diap tellement pour dire la marché kou gon jam dou la plop et en vérité m'pa bon menti formule lancer avec Zap ou pas fouti prend vie étape. Maman Pemba, l'hypoté non M&M cosmétique, c'est un magasin en ligne qui vend tout produit cosmétique ou connaît ou connoué ou bien ou connaît ou connoué ou fait face avec yo déjà sous bout terre bénien gain tout dans M&M cosmétique, c'est si yo vend en gros et yo vend en détail. Ou besoin bagaille pour faire make-up, ou besoin bagaille, comprendre si tout faut besoin l'autre monde comprendre sous terre, ou yo gain tout produit ça honnête, est-ce que comprendre pour faire quoi belle, mettons l'autre couleur sous ou nous gain toute bagaille, nous gain crème cap kebe pour en bonne santé, cap kebe pour fin, nous gain turmeric pour passer sous peau, nous gain green face pour nettoyer visage ou visage et passeport qui lié, ou comprendre malgré gain en pile moun na figo semble avec corosol, pas gain bagaille comme ça jeune femme jeune garçon relé sous koa, aller dans M&M cosmétique ou bien visiter yo sous Instagram, yo sous Facebook, yo gain produit pour mettre dans bouche pour éviter le rete sèche et en même temps gon paquet l'autre bagaille encore que yo gain dans M&M cosmétique. Nous depuis les madame moi découvrir magasin M&M cosmétique ça li tellement servi avec produit yo, non seulement coulé à vin très raffiné et en même temps les ailes là seulement le rete pour me capable reler mon ange. Et pas oublier reler dans 707 596 37 66, yo fait shipping tout côté dans États-Unis ou capable écrire tout dans MM cosmétique 21 à commercial@gmail.com. yo gen 10% rabais y a offri avec tout client qui déjà placé commande. Yo dès pour rive ti nèg an tout prêt la voie information an, pa gen de pa gen 3 10 c'est lik voyo et non seulement gen 10% gon l'autre considération on va supposé dit ça non gon l'autre considération on va joindre mon cher c'est pas parler. MM cosmétique c'est le royaume de la beauté humaine. Ou vle bon visibilité yon promotion, écrime sous Haiti Media One à commercial@gmail.com. yon ti gap diamondé m'a bon love la et en vérité ou pas ka pas satisfait. Dave Steele, moi c'est chargé de liaison et garde-côte pour ambassade américaine. C'est un monde qui, malgré difficulté, continue quand même de prendre bateau pour entrer illégalement dans notre pays, particulièrement aux États-Unis. There is never a right time to take to the sea. Un bon moment pour prendre la mer pour essayer d'aller aux États-Unis. It is a dangerous voyage. Et c'est un bateau qui est très dangereux. And the United States Coast Guard maintains a sustained presence. Garde-côte américain maintenu yon présence, yon assistance. On the seas and in the air. Et dans la mer et en l'air. If you take to the seas, you should expect to be interdicted. N'importe qui moun qui essaie de prendre la mer illégalement pour aller aux États-Unis, eh bien, il y a arrêté ou il y a rapatrié dans le cap haïtien. Ces gens-là que vous voyez vont devoir être accompagnés jusqu'à la station de bus la plus proche, justement accompagné normalement d'un frais qu'on va leur donner. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'OIM qui donne des frais de 10 000 gouttes. Mais je pense qu'à partir de demain, oui, pas personne, donc à partir de demain, l'ONM prendra charge normalement. Donc ça veut dire quoi?
Les gens cela vont être accompagnés jusqu'à la station la plus proche pour qu'ils puissent regagner leur demeure et respective, leur ville natale. Est-ce qu'il y aura un suivi par rapport à leur bien-être Bien sûr que oui, parce que l'ONM dispose d'une direction technique à travers laquelle se trouve une structure de suivi. Vous voyez, donc ces personnes-là vont être enregistrées, comme vous pouvez le voir, et avec les numéros de téléphone, l'équipe de suivi justement va rester en contact avec la personne pour savoir vraiment quels sont d'accompagnement normalement qu'ils ont besoin justement et que l'ONM fera de son mieux. Non seulement pour ceux qui sont malades, ils vont être référés à des hôpitaux, vous voyez, mais pour ceux qui ont besoin d'autres supports, et là aussi l'ONM prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'ils puissent faire le référencement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélisère. Jeudi, c'est dimanche 19 septembre 2021. Et nous retrouvons là, dans le moment que nous avons un nouveau développement dans la question immigration qui a déroulé là, surtout dans la frontière États-Unis partagée avec Mexique. Situation vient un nouveau développement là-dedans parce que pendant toute semaine, nous avons suivi la voie de l'Amérique de très près. Nous avons plusieurs reportages. Sous ça qui a passé sous frontière États-Unis partagé avec Mexique. Et surtout, semaine ça y est, nous te mettons en pile accent sur Del Rio parce que nous avons plusieurs milliers d'Haïtiens qui trouvaient dans Del Rio, côté que c'est une ville frontalière qui est dans la zone Texas. Et situation très compliquée pour nous. Il y a des gens qui sont enceintes, des gens qui viennent avec Timoun, grand monde, et vous êtes capable de voir que c'est une situation compliquée au point que tout gros média américain mettait focus sur lui et même considéré comme un phénomène humanitaire, une crise humanitaire. Et ça, tout a un aspect politique là-dedans parce que il y a un pile républicain qui a calomnié, qui a critiqué l'administration Joe Biden là, parce qu'il estime que Joe Biden était à partir de politique immigration, et bien c'est un coup d'invité inviter tout le monde à entrer aux États-Unis. Et donc ça vient compliqué. Et sous frontière, et on a regardé que, d'après information, agents américains qui ont en général fait patrouille dans sous frontière, et bien combien ils sont obligés eux-mêmes de dédier 40% de temps pour régler le problème de monde qui veut entrer sous frontière États-Unis partagé avec Mexique. Et dans le moment où on a parlé là, Haïti a parlé pour recevoir un paquet de Haïtiens. Et d'après nouvelle, il y a par exemple deux avions qui sont sortis dans San Antonio. Donc, au total, d'après nouvelle, il y a trois avions qui sont supposés entrer en Haïti. Ou bien être en route, ou bien déjà arrivé. Au niveau de la voie de l'Amérique, nous avons un envoyé spécial qui est sous frontière dans Del Rio. Et dans la zone Texas, nous avons tout et correspondant à nous à l'aéroport international et tout ça, l'ouverture là. Et nous avons rappelé que il y a un pile d'articles qui sortent sur la question immigration aux États-Unis. Et il y a des gens qui disent que ce n'est pas seulement haïtien, et c'est vrai, ce n'est pas seulement haïtien, donc pas quelqu'un qui sortit dans la zone Amérique centrale, Caraïbes, Amérique latine. Mais dans ça qui a un rapport avec Del Rio, c'est plus haïtien qui gagne là-dedans. Et de l'autre côté, tout par exemple, là aller dans zone, nous sommes capables de paquet de monde, dans zone Rio Grande, dans Ciudad Acuña, nous avons un paquet de monde. Et d'après un article qui sort dans le Washington Post, il y a 29 000 haïtiens qui entrent dans 11 mois qui sont passés là. Donc cela veut dire que son situation qui vient compliquée pour Haïti, compliqué aussi pour les États-Unis, parce que dans la crise humanitaire là, pas seulement en crise humanitaire mais en crise sanitaire, parce que nous avons une question de pandémie coronavirus et avec toute nouvelle variant qui a entré. Donc n'importe qui autorité qui a réfléchi sur ça, il n'y a pas seulement ouais son crise immigration mais une crise humanitaire tout qui fait que obligé de prendre décision appropriée. Donc Haïti qu'on y a, nous la voix de l'Amérique est sous place tous les deux côtés. Que ce soit au niveau frontière que États-Unis partagent avec Mexique, que c'est au niveau aéroport international là qui est même capable de recevoir tout Haïtien ça. Et dans l'analyse qu'on va faire, on va dire qu'on paye tant qu'au Haïti avec toute ça sur vivio, tremblement de terre, cyclone, crise politique, crise sociale, crise économique et capable de recevoir tout Haïtien ça. Et pendant ce moment, nous sommes capables de voir que nous avons un reportage qui est sorti sous garde-côte américain qui est intercepté. 102 Haïtiens qui ont essayé de quitter Haïti. Donc, garde-côte intercepté et te remettre au Cap Haïtien. Il y a un officiel américain
qui te vini tout parce que l'ambassade américaine était présent dans le moment que garde côté américain t'a remettre moun sa yo sans de moun li même nous capable sur page la voix de l'Amérique que li encourager moun pour pas aller risquer la vie pour un voyage que peut-être un voyage qui pas abouti. Faut dire que bon dans niveau ça tout li gon l'autre aspect là dans tout parce que et en Haïti, il y a un paquet de monde qui fait business tout. Business pour faire monde entrer Saint-Domingue, jouer un visa Saint-Domingue, après ça pour jouer un visa Mexique. Et depuis qu'on vit au Mexique, je crois que depuis qu'on vit au Mexique, c'est la porte du paradis et il y a pas entré. Donc, ce qui n'est pas totalement vrai parce que ça n'a pas gardé qu'à passer dans Del Rio et dans l'autre point tout. C'est un bagage une situation compliquée parce que bon, pour nous sommes capables de voir Haïtien qui a traversé de l'eau et avec tout ça qui gagne là-dedans, dans tout ça que. Le monde que nous réussissons par la veille, qui gagne tout ça, bête qu'on mange moun yo, gagne moun qui que yo violé, et gagne moun qui mourit dans la route. Donc, une situation qui est très compliquée et pour moun sa yo. Donc, la voix de l'Amérique a essayé de faire le maximum pour nous capables de gagner le maximum d'informations sur ce qui a passé, que ce soit au niveau aéroport international, qu'on recevra yo. Ben, nous connaissons que ben, OIM en général qui recevra moun sa yo, yon ba yo en accompagnement. Est-ce que yon paré pour recevoir tout moun sa yo? Et en général, moun sa yo sorti d'horizons divers. L'homme dit d'horizons divers, là ça veut dire qu'il y a des gens qui sortent dans le nord, des gens qui sortent dans le sud, des gens qui sortent dans le grand est, des gens qui sortent tout partout. Donc ça veut dire que OIM en général eh accompagne les gens. Et leur accompagne, il faut faire un petit chocho, et qui pourrait prendre bus, tout et tout. Donc ça veut dire que des préparations qui pourraient faire. Et au niveau gouvernement, il y a plusieurs réactions qui font, il y a un premier ministre Ariel et Henry qui sortent un tweet pour dire que le gouvernement est très préoccupé par ce qui a passé, compatriotes haïtiens. Au niveau frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Au niveau ministre des Affaires étrangères, là, Claude Joseph, que nous avons essayé de rencontrer, que nous avons essayé de parler avec, qui était difficile, bien que lui-même, il fait ce Mexique-là, dans un événement, et il dit que l'abord des questions immigrants haïtiens avec autorité mexicaine. Mais il y a plus de monde qui a analysé qui dit que le plus qu'une question d'autorité mexicaine, parce que, au fond, ce n'est pas le Mexique qui est objectif, Mounsayo qui quittait. Et qui quitte par exemple qui saute dans l'autre qui quitte par exemple Saint-Domingue qui a essayé d'entrer c'est aux États-Unis. Objectif c'est d'entrer aux États-Unis. Et de plusieurs que nous parlons avec eux parce que c'est pas seulement dans le pays Mexique, nous capables par exemple si nous suivons la voie de l'Amérique de très près, nous capables de jouer une déclaration un paquet et compatriotes qui trouvent dans Necoclé. Necoclé c'est un petit bout qui gagne dans le pays Colombie. Et d'après article qui sorti dans Washington Post, moun sa yo qui trouvé dans Del Rio, c'est des monde qui sorti en général au Brésil. Ça veut dire Haïtien qui sortit au Brésil. Parce que Haïtien qui a le Brésil, qui a le Chili, estime que la situation n'est pas trop bon pour eux, il y a pas cherchons à aller mieux. Et aller mieux, c'est aux États-Unis. Pour eux, c'est le paradis. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de Brésil, ça va marcher. Ils ne sont pas capables de Chili, ça va marcher. Donc, ils sont obligés de faire prendre route et pays Mexique. Et donc, on a une pression qu'a fait sur le pays Mexique. Washington a fait pression sur le pays Mexique pour le pays Mexique lui-même jouer un moyen pour bloquer Mounsayo pour ne pas arriver sur la frontière. Et là, on veut sur la frontière, par exemple, dans Del Rio, qui est une ville frontalière, une petite ville frontalière dans la zone Texas, situation est très, très, très compliquée. Donc, mais une crise que vous considérez comme une crise humanitaire, son crise humanitaire, son crise immigration, son crise sanitaire. Parce que tout le monde a regardé au cap défiler sous le pont Del Rio, et bien, c'est des gens qui. Il n'y a pas de masque. Et donc, ça veut dire que tout le monde est tête chargée. Bien content que Sandra, chef service là lui-même, lui déclare la permanence. On dit que c'est tout service là qui décrète la permanence pour situation ça qui a développé dans la frontière et États-Unis partagée avec Mexique. Mais on dit que l'actualité est tout partout. Il n'est pas seulement sous frontière. Lui trouve tout dans l'aéroport international et toute cette ouverture là en Haïti. Nous trouvons tout dans Del Rio, nous trouvons tout dans la zone Rio Grande, dans Ciudad Acuña, nous trouvons tout dans Necoclí, parce que nos paquets haïtiens qui trouvent Necoclí dans Bouc et pays Colombie, ça qui est même objectif, horizon, c'est les États-Unis. Donc c'est pour nous dire, mes amis, situation compliquée, nous avons bon, le maximum d'informations, mais en attendant, nous avons tout que, pas quitter que le monde après l'argent dans nous, nous déjà pas gagné, il a pris l'argent dans nous et dit nous que. Il a fait nous rentrer aux États-Unis parce que depuis prend un visa. Ou à Saint-Domingue bon visa. Ou au Mexique et l'arrivée au Mexique, on comme si c'est un bagage, on panique entrer marché et entrer aux États-Unis. C'est pas la réalité, c'est pas vrai.
parce que qu'on y a des gardes frontaliers américains qui est même déjà là pour sécurité frontière et autres, mais qu'on y a obligé tout il y a réglé question immigration et d'après l'article Washington Post là qu'on y a obligé de dire 40% dans temps parce que était qu'on l'autre activité que maintenant mais qu'on y a obligé à traiter question immigration. Donc n'a pas essayé joindre le maximum de formations et pour nous tant qu'on nous dit n'a récapitulé pour nous dire qu'il y a des milliers haïtiens et je parlais de plus que 10 000 haïtiens qui sont dans la zone et Del Rio et dans l'image que nous mettons sous page et Facebook nous et l'autre plateforme que nous avons encore ou capable de voir tout haïtien ça qui a marché qui a traversé et je viens de manger des légumes ou pas gagner pas jeune manger ou capable de voir tout le monde petit tout. Il y a des gens qui signalent que ce n'est pas seulement haïtien. Effectivement, ce n'est pas seulement haïtien. Parce que il y a des gens qui sont du Guatemala, des gens qui sont du Honduras, des gens qui sont de l'autre pays. Et tout, des gens qui sont du Mexique qui veulent aller. Mais il faut dire tout que la situation vient compliquée tout parce que des gens qui ont traversé les frontières, qui légalement, parce que des Mexicains qui travaillent aux États-Unis, et y aller et puis retourner. Et vice versa. Donc ça veut dire que tout ça vient tout non ça n'a rien la caille pays dans pays la caille son gouvernement qui a fait sous frontière et qu'on y a agent et frontalier américain obligé qu'on y a gain ça relève en français du pain sur la planche il y a travail en pile et même tous nos mêmes journalistes obligé à travailler en pile tant qu'on est capable jeudi dimanche là nous obligé à travailler et chef service là et Sandra le maire lui-même lui offre et au moulin a fait coordination Jean-Robert Philippe déjà sous direction frontière là nous gain et Marcel de Villemay qui lui-même a passé et porté information pour nous qui a sorti dans l'aéroport international tout ça l'ouverture là donc c'est pour nous dire c'est le paquet c'est tout n'a mettre n'a décrété la permanence parce que c'est réalité et tant qu'on t'a fait essayer et prendre analyse quelques monde qui a observé situation il dit que Haïti a parlé pour recevoir des milliers haïtiens qui étaient sous frontière et américano-mexicain dans le moment que le pays a fait face à une difficulté énorme. Difficulté énorme parce que donc crise politique qui est tête chargée. Et nous n'avons même besoin de trop d'explications sur lui. Avec un pays qui gagne un premier ministre, un gouvernement qui pas bicéphale. Et c'est avec une seule tête, tout ça fait que dans pile question qui a posé et dans pile et opposition tout. Donc une situation compliquée. Un pays qui sont subi un gros tremblement de terre, qui frappe Grand Sud le département NIP. Il frappe le département sud, il frappe Grand-Est, et puis nous connaissons tout, cyclone passé. Donc ça veut dire Haïti, nos situations compliquées, même tout Mexique, tout, nos situations compliquées, parce qu'ils sont dépassés par les événements, et c'est ça qui fait que les États-Unis sont obligés de gagner un plan lui-même pour déporter tous les Haïtiens qui sont dans la zone, parce que premièrement, entrer, c'est en l'autre crise humanitaire, crise logistique et crise sanitaire, et pas oublier tous les États-Unis lui-même. Pendant ce temps, il y a des problèmes pas avec toute question Afghanistan, évacuation que se fait dans Afghanistan et dans évacuation que se fait en Afghanistan, c'est pas seulement américain que évacue. Il évacue tous les Afghans qui travaillent avec eux et même dans Afghanistan et tout, il y a des problèmes parce qu'il faut contrôler Afghans, il faut joindre côté pour mettre et il faut contrôler tout que même il y a des virus là pour pas passer par l'autre monde. Donc autant de situations qui sont plus compliquées, nous-mêmes dans différents programmes, n'a pas essayé avec des spécialistes pour être capable de même analyser plus bien pour nous ça qui a passé là. Et en Haïti, aux États-Unis, au Mexique, donc une situation compliquée. Moi, c'est Jacques Belizer, et c'est là que je vais mettre fin dans la première sortie. Ça. Peut-être que plus tard, avec l'autre information que nous avons, nous allons retourner vers nous. Mais je vais dire, suivez très près la Voix d'Amérique, que c'est Facebook, VOA Créole, que c'est site web noir, VOA Nouvelle, que c'est Instagram, que c'est Twitter. N'a essayé bailler en présence au maximum pour nous capables de vivre au maximum ça qui a passé dans cadre crise ça tant qu'on nous dit qu'il y a une crise pluridimensionnelle nous capable les français ça veut dire une crise qui a plusieurs dimensions les dimensions migratoires et qui a un rapport avec l'immigration les dimensions sanitaires parce que nous sommes en plein cœur d'une pandémie et les l'autre aspect encore et social économique et autres donc n'a pas suivi. Moi c'est Jacques Lebelizer depuis Belze. Et bien qu'on y a c'est tout pas moi même parce que me fait crier là dans zone là et Michel Steve qui branché tout avec nous là et bien jeudi à nous c'est dimanche c'est 20 et septembre son jour spécial en particulier côté nous même nous sommes en déplacement Jean-Philippe Jantou qui branché tout et qui est là avec nous Luciano Henri Villard et 20 gens qui branché tout avec nous. Et bien qu'on y a l'argent d'Aka dit non là moi branché là moi directement en direct avec nous là en dedans aéroport international San Antonio au Texas côté n'a pas là mais son voyage que m'a pris c'est pour mes escales que me fait c'est pour côté que me camper qu'il y a
journée là moi sorti Washington et moi fait voyage là moi arrivé dans Saint-Louis Texas et m'a continué voyage là jusqu'à ce que moi arrivé dans Del Rio et toujours au Texas côté nous rappelons qu'on bon haïtien qui massé depuis quelques jours et capé chercher ouais et si était capable rentrer aux États-Unis donc moi t'ai promettre nous et que m'ta pas moi Jacqueline t'a avec nous Jacqueline t'a donné les dernières infos qui gagne sur situation dans pays d'Haïti qui en saillé et bien moi même m'a payé ban un petit update tout un petit mise à jour sur Jean ça passé tout et gagner et actuellement alors situation n'est pas quitter personne mon indifférent et n'a dit d'abord que c'est vrai qu'administration américaine dit même c'est droit parle pour protéger territoire contre monde qui rentre dans pays c'est droit parle pour et protéger population li et c'est droit parle pour protéger frontière li mais et l'autre citoyen qui se tient dans l'autre pays qui est censé faire voyage là pour venir en fait n'a dit c'est pas seulement haïtien qui est seulement gagne d'autres citoyens qui se tient dans l'autre pays tout qui fait voyage ça tout et les dernières estimations yo allé jusqu'à dépasser les 10 000 et quand c'est monde qui déjà dans zone des rio à captant possibilité pour traverser pour venir aux États-Unis en fait il y a monde que déjà nous interviewé et moi ça a déjà dit nous même objectif yo c'est États-Unis tête droite yo pas camper même pour lumière rouge simplement parce que vous voulez pour y arriver aux États-Unis qui c'est ça est considéré comme Eldorado il y a monde qui sorti au Brésil qui monde qui sorti au Chili et qui trouvait que bala pas trop bon pour y en côté ça et ben d'accord pour y prendre risque pour faire route passer son long voyage des semaines et même si pas qu'à dire des mois parce que mon obligé faire escale aussi de côté et ben c'est comme ça mon ça yo choué là arrivé là mais malheureusement pour un pile parmi yo voyage capable pas fin concrétiser gens que yo té gens que yo souhaité peut faire voyage ça en tout cas j'en abdou là et actuellement un avion qui sur route et qui vient pour arriver en Haïti avant 2h PM avion ça allait sortir la Rido qui c'est à peu près à 2h30 de côté Miela. Avion ça sorti la rido et li gen aboli haïtien que administration a déporté pour mener au tourner en Haïti. Donc gen un premier c'est une premier vol alors gen deux vols qui sont censés faire jodi a et jodi a t'as même bon ici à tout gèlè te konvol mais gen un vol nous connaît que nous joine qui sorti la rido et qui aller en Haïti et capatri avant 2h. Donc de sorte que nous gen correspondant nous qui sur place yo même tout et très certainement y a bien avec les dernières infos pour nous les dernières informations puis venir nous exactement qui ça ouais qui gens capable gen chance interview mon. Alors haïtien que peut-être nous gen la vente américain correspondant qui déjà sur place qui déjà dans zone El Rio au Texas qui interviewe mon yo les informations que nous recevoir et bien mon qui interviewe mon yo dit que yo même yo aux États-Unis pour aller il y a quitté yo voulait quitter yo voulait arriver aux États-Unis malgré tout ça yo connaît yo pas gain espoir que tout va capable marcher bien non mais yo dit que yo voulait espoir que tout va marcher bien pour yo gain espoir donc imagine le risque mon yo prend pour traverser. Alors en réaction à tout ça fait pas gain et ambassadeur haïtien dans Washington et Boxy Edmond qui met tombé sur les réseaux sociaux Twitter pour lui exprimer et qu'est-ce que lui qui a que lui senti et douleur qu'il a senti face à la misère il a considéré que haïtien ça qu'a fait face aux frontières et il dit que lui déjà entrepris des démarches et auprès administration américaine pour voir dans qui il déjà écrit des chefs de département de sécurité à l'écrire déjà et lui demandé pour traiter haïtien de l'autre façon bientôt et ministre affaires étrangères haïtien et docteur Claude Joseph lui-même tout qui était dans rencontre au Mexique et on rencontre dernièrement là au Mexique et bien les difficultés rencontrées avec le ministre des Affaires étrangères mexicain quand il était parlé de situation haïtien qui sont frontière tout et il t'a demandé pour que l'autorité te font façon pour te porter coup mais pour te aider et peuple haïtien ça c'est une façon capable améliorer conditions citoyens haïtiens qui sont frontière Mexique partagée avec États-Unis bientôt et pour le ministre Ariel Henry tout lui-même tout le met tombé ça sur les réseaux sociaux Twitter pour lui dire comment il sentit comment situation comment est-ce que c'est cœur qui a craché le fait que c'est et fait que haïtien ça au pile haïtien ça arrive sur frontière dans des conditions difficiles qu'a vu dans un moment très difficile pour eux et lui demander pour lui même tout le temps lui demander administration pour administration ta font levé mais ou bien ta soulager misère peuple misère et immigrant haïtien ça cap cherche la vie meilleure et qui fait déplacement qui arrive sur frontière et qui t'a aimé venir aux États-Unis donc c'est comme ça situation ça allié là dans salle de Sandra Dominique tout qui est là avec nous tout et Sandra Dominique c'est chef service là qui branché sur nous. Alors m'a reprendre pour nous très rapidement actuellement côté Miela mon aéroport international San Antonio au Texas maintenant exactement dans la douane là côté que mon love vini ou à fond donc fait prendre affaire moi descendre là ça c'est pour mes scales un voyage très long que m'a fait là m'arrive au Texas ensuite moi prêt à conduire pour m'aller dans petite ville au Sana et de là étant m'a rester là m'a passé une nuit là et puis
le lendemain matin, m'a plongé dans El Rio côté me calé côté avec l'autre collègue qui déjà sur place déjà gagne monde la Vada d'Amérique, gagne l'autre journaliste dans l'autre média qui déjà là et ben prendre en côté avec d'autres. C'est pour nous dire comment que la Vada d'Amérique c'est pour nous et nous voulons que porter information bas au lieu que c'est mon cap dit mais nous voulons que c'est nous-mêmes qui témoin et c'est nous-mêmes qui porter information en bas. Alors les dernières nouvelles que nous gagne n'a dit que avion en à peu près à 2 heures. Go avion qui sorti Laredo au Texas et avion ça l'a atterri Port-au-Prince et il y a vol immigrant haïtien qui était certainement à chercher rentrer aux États-Unis et avec ou sans papier nous pas connait mais il t'a chercher rentrer aux États-Unis. C'est des immigrants, nous rappelons que groupe immigrant ça c'est qui sorti très loin, qui sorti au Mexique, qui sorti au Chili et qui fait voyage à travers toute Amérique du Sud là, traverser Amérique du Sud là, entrer en Amérique centrale là et arriver traverser Mexique, arriver sur frontière pour rentrer aux États-Unis. En conséquence, les États-Unis même ils prennent décision pas le tout parce que c'est droit, ils ont tout pays qui doit pour protéger frontière et donc États-Unis lui-même l'a décidé et ben tout le monde ça et ben la retourner parce que il y a un règlement qui dit qu'on doit retourner mon dans pays d'origine dans pays de sortie mais trouver que haïtien pas légal côté sortie tout donc États-Unis d'accord pour le faire dépasse ça et de référence la pour retourner mon yo et dans pays d'Haïti et ça d'après ça qui dit déjà gain environ 8 à 10 vols qui gain pour faire dans semaine ça là. Et il y a possibilité peut même augmenter vol même selon besoin mais nous dit que les haïtiens qui sont toujours des interviews que nous fait que nous gagnons déjà et bien déjà dit nous que haïtiens eux-mêmes yo pas connait ça cap tendre boy ici yo pas connait que qui ça parie simplement que l'administration lui-même dit que l'essentiel lui-même la prend tout le monde et tout le monde qui vient la retirer et pas en considération. Nous en réaction avec ça il y a un ambassadeur haïtien en Washington et Boxy Edmond qui met un message sur les réseaux sociaux Twitter pour lui dire que et avec le sentiment que ça a préaché Kelly, et bien, il dit que l'idée a écrit le département Homeland Security et demandé pour lui faire des considérations pour traiter Haïtien de meilleure façon, pour lui faire ça au du process. C'est-à-dire que permettre que Haïtien ait de parler devant le juge d'abord et le juge a l'imérité à prendre décision pour retourner Haïtien dans le pays. Ça, c'est l'ambassadeur Boxier. Il y a tout le ministre étranger Haïtien et Claude Joseph, lui-même tout, qui écrit tout, et qui était au Mexique, qui a rencontré avec le ministre étranger Mexique là, et qui m'a dit tout pour lui faire des considérations pour Haïtien au meilleur traitement, pour capable et parce que les conditions vraiment difficiles, mais meilleur traitement, ça se prend en compte que le ministre des étrangers haïtien, Dr Claude Joseph, a gagné avec le ministre des étrangers et mexicain, ça c'est pendant qu'il a participé dans une rencontre et pays Amérique latine avec Caraïbes, t'a fait au Mexique et il a dit ces questions ça avait. Et puis il y a un premier ministre en dernier moment qui lui-même tout sorti un message tout lui-même sur les réseaux sociaux, Twitter tout, pour parler qui a ravagé qu'elle et lui demander pour que l'administration américaine t'a fait en considération pour le capable et prendre en compte, en tenir compte de situation haïtien au Mexique, haïtien qui vivent sur frontière et ouais qui ça qui a fait pour aider et aider. Quand moi-même on dit non là, bon, moi ici déjà à San Antonio, je vais continuer voyage pour m'aller dans Osana et puis de Osana étant et demain je vais continuer voyage là toujours pour m'arriver justement dans Del Rio côté de rencontrer l'autre collègue pour nous porter des dernières informations pour nous. Restez branchés sur avant de la veille, Jean-Claude Élisée te dit nous tout à l'heure, te dit nous et restez branchés parce que nous avons un correspondant qui est un peu partout, nous avons monde qui est capable de nouvelles bonnes même si c'est nous qui traduire parfois c'est capable en l'autre langue mais nous avons tout et correspondant qui est en Haïti et qui suivre l'événement pour nous cap certainement essayer aussi de rencontrer avec groupe haïtien premier groupe haïtien ça qui arrive et nous rappeler que ce sont la mobilisation parce que voyage haïtien ça immigrants haïtiens ça il a fait chaque jour administration américaine a déclaré les pas bail les gains les pas prendre chance tout le monde qui vient et surtout tout le monde qui se fonce là bas. Alors sur le plan politique ça veut dire que ça encore se prend l'autre thème qui est un autre thème encore dans la campagne électorale américaine. Nous rappelons que les États-Unis ont préparé pour organiser l'élection mi-mandat l'année prochaine. Eh bien, déjà, les républicains ont eu un premier dossier dans le même temps qui est prêt à servir pour l'administration, c'est le dossier Afghanistan. Donc, c'est très certainement une situation sous frontière. C'est un dossier qui fait partie de la campagne électorale passée à tout, mais qui n'a pas jamais allé et qui toujours retourné. Et qui retourne encore face avec l'arrivée, quantité d'immigrants qui arrivent sous frontière. Ce n'est pas seulement haïtien qui dit c'est seulement haïtien, pas seulement haïtien. Il y a d'autres gens qui sont de l'autre côté, tout, qui là, parce qu'il y a d'autres gens qui parlent l'autre langue, qui dénominent dans le monde. Moi, c'est Jean-Baptiste Capsal, nous, depuis l'aéroport international. San Antonio au Texas, m'a dit nous go bonsoir. Si on tient encore pour probablement pas si on même carré quelques informations pendant dans zone toujours et
Maïsé, ouais, si nous sommes capables de partager un peu l'autre information avec nous. Mais sinon, si nous partons demain, encore, on vient avec l'autre information sur ce qui a passé sous l'autre cargaison, mais sous l'autre avion qui a transporté les immigrants haïtiens que les États-Unis ont décidé de refouler la CAIO. Il y a un groupe haïtien ici qui travaille tout sur ça. Tout. Et un militant qui défend les haïtiens, qui travaille tout avec l'autorité de Tchèche, l'autorité de la sécurité. Il y a un travail avec eux pour voir dans quelle mesure capable faire au salon une action humanitaire dans ce moment-là pour Haïtien. Nous savons que le pays a traversé actuellement un tremblement de terre, côté plus qu'il y a un pile de problèmes dans le pays déjà. Et retourner le monde en Haïti encore, c'est pour encore l'autre problème encore, le gouvernement qui déjà a assez dans le monde déjà, mais autorité de travail et une intervention qui fait des choses au niveau diplomatique, que ce soit au niveau gouvernement, au niveau ambassade. Donc toute intervention sera faite avec un seul objectif, ou dans quelle mesure il y a une main levée qui fait pour et tabaye c'est ça on ti permet on ti moment permettre que yo rentre dans le pays et en attendant que situation ta va améliorer. Monsieur Joseph Philippe Absalon, passez bonne journée tout le monde et bon dimanche. Bye bye. Madame monsieur bonsoir, ici Jacqueline Bélisère. Le dia c'est dimanche 19 septembre 2021. Nous venons rencontrer avec pour une mise à jour sur situation ça qui a développé avec déportation, nous avons dit entre parenthèses massive, que l'autorité américaine a fait à partir de Haïtiens qui étaient trouvés sous frontière que les États-Unis partageaient avec Mexique. Nous avons déjà fait une intervention déjà et nous mettons pile vidéo qui montrait ce qui a passé, que ce soit au niveau frontière, Mexique avec États-Unis. Là, nous dit Mexique avec États-Unis, c'est d'abord en bas et pour ça que les Del Rio. C'est un pont qui lie Del Rio dans Texas et puis avec Acuña, Ciudad Acuña, qui lui-même dans Mexique. Je dis à Tankou DHS, ça veut dire Département de Sécurité Territoriale, les États-Unis ont déjà annoncé que ils ont adopté une stratégie côté que ils prennent dans 72 heures qui passé là. Parce que ils ont fait annonce là. Et samedi a quitté 18 septembre. Et on dit que dans 72 heures qui viennent là, ils ont fait des déportations massives, précisément en direction d'Haïti, mais l'autre pays, tout pas seulement Haïti, mais ils ont dit Haïti avec l'autre pays, d'après ça. DHS dit, et donc c'est une stratégie de déportation de monde qui trouvait en bas pour ça, nous dit pour ça lié, Del Rio qui est dans Texas, et puis Ciudad Acuña qui est en Mexique. Nous sommes capables de voir tout dans la vidéo que nous mettons sur la Voix de l'Amérique, sur la page Facebook. Nous. Et plusieurs situations, notamment une fille qui accouchait. Par exemple, il y a un maman qui fait césarienne. Et nous sommes capables de voir Gerline Joseph, qui est directrice exécutive ça, le Haitian Bridge Alliance. Lui-même qui est un militant dans la question immigration et qui portait en pile secours à Mounsa qui en difficulté et nous capables de voir. Et ils font une déclaration, qui est une grosse déclaration que nous capables d'entendre en anglais. Il dit que l'on prend les États-Unis. Puis grande puissance mondiale, super power. Lui-même, s'il pas accommoder des milliers de monde, ça, vous parlez de plus passer 10 000 monde, 10 000 haïtiens, si lui-même n'est pas accommoder monde, qui est-ce qu'il fait pour un pays comme Haïti, que monde est déjà acquitté pour situation difficile, il y a des gens qui parlent de parce qu'il n'y a pas qu'à manger, il y a des gens qui parlent de insécurité, il y a parlé de la misère et autres. Donc, il faut dire que monde a dépensé un paquet d'argent pour être capable de faire et voir ça. Et il y a des gens qui quittent. Qui vient dans en bas pont et parce que en bas pont c'est la porte du paradis et ben yo même yo t'ai quitté par exemple une déclaration yon dame qui parlait avec correspondant de Port-au-Prince Massado Vilme qui lui même dit que le Chili elle pas d'aucun problème Chili seulement t'ai un problème de papier parce que c'est difficile pour gain papier et les même petit ils font petit Chili petit là c'est chilien mais il dit il retourner la caille. Il y a plusieurs autres personnes, mais tout le monde a découragé les gens pour être capable de prendre la même route que vous prenez. Et on a dit tout que les gens, en général, sont sortis dans plusieurs pays. Ils sont sortis, par exemple, il y a des gens qui ont quitté la Colombie, par exemple, nous parlons de Nekokli. Ils ont quitté Nekokli, ils ont passé Panama et autres. Par exemple, Dame ça a dit qu'il fait 7. Il fait 7 et joue en bas Ragboa. Et il y a des gens qui disent que dans Ragboa, il y a des gens qui mourent. Des gens qui accouchent. Donc, son situation. Terrible, terrible, terrible qui passait. C'est une situation qui vient pratiquement historique, une fois encore. Et Haïti trouvé dans l'actualité.
dans l'actualité et pas pour bon bagaille. Nous sommes dans l'actualité parce que nous sommes subi un tremblement de terre avec une puissance 7.0. Nous sommes dans l'actualité parce que le cyclone passait la caille nous. Mais qu'on y a dans l'actualité à cause de et phénomène ça que considéré comme un phénomène et social, une crise humanitaire même parce que l'on a des quantités de monde qui en bas pour ça et nous capables de image. Image, français t'a dit écœurant, ça veut dire une image qui touche cœur. Donc, nous sommes arrivés, nous sommes capables de dire que, et nous sommes capables de dire, si nous si avons osé interpréter, c'est dans la honte, parce que dans pile là-dedans, qui a bouché figure, nous sommes capables de voir image. Et nous souhaitons que nous regardions toute image, toute vidéo que la Voix de l'Amérique mettait sur toute plateforme que nous gagnons, que c'est Instagram, que c'est Facebook, côté nous est là, ou bien sous VOA. Créole. Nous capable voir image et image parler pour compter pour dire nous qu'il y a situation difficile. Donc nous ça arrivé, il est arrivé trois avions qui débarqué. Bon premier chiffre qui parlait de 290 moun qui t'a arrivé qui sorti dans qui reparti dans trois avions et là-dedans un paquet de ti moun qui ou après que gen moun ti moun yo dans bras yo. Encore des images qui pas fait qui pas quitter que nous tranquille. Et correspondant dans Port-au-Prince parce que nous avons plusieurs n'a pas couvrir événement tout partout n'a pas essayé couvrir en Haïti avec Mounio Cap de Bakina aéroport international tout c'est l'ouverture et nous gagnons sur place Massado Vilme et l'autre collaborateur encore non, ici aux États-Unis sous frontière mexicaine nous gagnons Jean-Aubert Philippe se parle avec nous depuis San Antonio parce que lui-même lui sur route pour aller dans Del Rio parce que le problème c'est dans Del Rio même parce que c'est en bas pont Del Rio que nous joignons tout le monde ça. Et ça qui arrive, c'est que yo fait un camp de français arrêté, un camp de fortune. Ça veut dire un camp qui n'est pas vraiment préparé pour accueillir les gens. Et il y a des gens qui parlent avec la Voix de l'Amérique qui disent que c'est une tabonne. Et là, ils viennent prendre, ils viennent prendre, ils déportent. Donc, ils arrivent à Haïti, qui gens et autorités haïtiennes accueillent. Et correspondant, nous parler avec Jean Delva Bonheur, c'est un responsable dans l'Office national migration, OIM. Et d'après information que le bas nous c'est que y a bay chaque moun sa yo 10 000 goud pour capable et ou bien prend occasion j'ai nous relé dans pays la caille prend occasion yo dit tout que y a assister des moun qui gagne des problèmes de santé qui gagne l'autre problème encore à essayer ouais dans quelle mesure que yo capable accompagner et l'autre fait que nous capable n'a signaler que gen 3 vol yo gen 2 qui sorti dans San Antonio gen l'autre qui sorti Laredo. Et donc Jean-Robert Philippe lui-même, Lisson Antonio et lui-même, lui sur route là pour arriver et son route. Nous imaginons nous que Jean-Robert tout le temps que le prend pour arriver, il sortit Washington, débarquer San Antonio et puis qu'on y a pour le conduire et puis pour arriver dans Del Rio. Donc il faut le faire son trajet qui est difficile. Donc n'en parlons pas des mondes qui passaient en bas, il fait et au passé il sortit plusieurs côtés. Et d'après et article même que Washington Post et publié moun sa yo sorti tout yo sur fait route Panama yo sorti Colombie et puis pour atterrir Mexique parce que Mexique c'est li qui partage un gros frontière avec les États-Unis. Bon font petite parenthèse rapide pour moi l'autre point dans actualité a hier te gagné dans Washington ça yo relé un rally nous traduit par un rassemblement et côté que ben te gagné moun qui vient protester pour et arrestation que vous faites pour moun qui t'a impliqué dans déblosage qui t'est fait 6 janvier 2021 les congrès t'a pral lui-même prend décision pour lui certifier confirmer victoire Joe Biden dans élection présidentielle novembre. Donc nous connaissons un gros déblosage et tête chargée mais rassemblement ça fait paisiblement bon gain quelques moun que yo arrêté parce que joine zam nan mais yo et pour l'autre raison encore que arrêté mais sinon c'est un rassemblement qui fait paisiblement la Voix de l'Amérique est sous place. Et ça crée là, t'es gagné les deux parties là-dedans. T'es gagné moun qui pas d'accord avec ça, avec raison qui fait que moun yo vin protester. Donc t'es gagné les deux parties et la Voix de l'Amérique t'es présent. Donc c'était en parenthèse que nous t'avons fait par rapport à que ça nous t'est présenté parce que nous t'es fait yo Facebook Live à partir de congrès et vendredi pour nous te dire que faut dire que la police ou bien garde fédéral, et bien, vous mettez tout ça capable pour vous pas, parce que vous songez ça qui est passé 6 janvier. Donc, vous prenez toute disposition, mettez ça, les fesses grillages, vous mettez gros bagages béton armé pour être capable de contrôler et périmètre, vous établi un périmètre dans le Congrès américain pour être capable de contrôler la situation. Donc, c'est en parenthèse, et pour nous, on a retourné dans la question et situation ça qui a développé là. Et côté Haïti, on l'autre fois encore dans map médiatique là, et à cause de situation ça qui a développé. Et il faut dire que la Voix de l'Amérique lui-même, lui mettait
tout ça capable dehors avec coordination chef service là Sandra Lemaire et ben gagné Jean-Aubert Philippe qui était parlé avec nous depuis San Antonio qui dans route moi même avec nous là c'est deuxième et Facebook live moi m'a fait avec nous et nous gagné en pile image qui vient joindre nous en pile vidéo qui vient joindre nous à partir de Macedo Villemé et l'autre collaborateur que nous avons sous place et dans Port-au-Prince pour qu'il fait travail là pour qu'il pote tout ça yo capable ba nous et nous gagne information et nous gagne image nous gagne photo nous gagne vidéo et c'est sûr que demain dans rendez-vous info qui a premier sorti nous demain 20 et ben n'a capable prendre l'autre information encore et puis n'a capable prendre analyse tout l'autre monde qui dans question immigration notamment nous passer avec Marlène Bastien par exemple et nous n'a signalé tout que et quelques réactions gouvernement haïtien par rapport à la situation ça. Et d'abord, nous connaissons que le ministre des Affaires étrangères, là, Dr Claude Joseph, il était parlé avec le ministre des Affaires étrangères mexicain sous situation haïtienne dans Mexique. Il y a un ambassadeur pays d'Haïti dans Washington, Edmond Bokchi, qui lui-même tout a fait démarche au niveau PAL. Et puis, il y a un premier ministre Ariel Henry, qui lui-même lui fait un tweet sorti pour expliquer que le gouvernement est très préoccupé par ce qui a passé et sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Donc, dans quel niveau nous y est, c'est que dans les 72 heures, à partir de hier samedi, eh bien, il y a DHS, lui-même qui est le département de sécurité nationale, qui fait qu'on est que la balle fait déportation massive parce que Yovin a perdu le contrôle des points bas pont Del Rio. Parce que nous connaissons que il y a une pandémie coronavirus, nous connaissons une situation qui est compliquée parce que les gardes frontaliers, eux-mêmes, ils ont un travail qu'ils ont fait. Mais qu'on y a obligé à occuper de questions et migrants qui ont même cherché à entrer aux États-Unis. Donc c'est en gros ça nous te gain pour et nous dit que il y a trois avions qui débarquaient aujourd'hia environ 290 personnes est capable plus n'a chercher chiffre totalement officiel là pour nous et donc il y a deux qui sont à San Antonio, il y en sorti la rue. Faut dire que de San Antonio à Port-au-Prince son voyage environ de 4 dans comme ça. 4 temps et comme ça. Donc, nous avons plein pour gens et déporter. Mais c'est ça la réalité. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas analyser est-ce que le bien, nous venons porter information, barou, nous recevoir et nous étendre. Il faut dire que dans le moment où on parle là, tout gagné. En pile haïtien qui toujours dans la prison. Il y a plus de 10 000 haïtiens qui toujours dans la prison et qui tout près d'El Rio et qui sous. Et parti américain, c'est ça qui fait que par exemple, petit monde qui fait yo, c'est des petit monde qui américain. Par exemple, petit monde haïtien fait dans Del Rio, petit monde ça yo automatiquement américain. Ça veut dire tout que capable gagner yon traitement spécial peut-être pour moment, ça nous pas connaît et c'est un bagage pour nous considérer avec spécialiste. Et spécialiste tout dans question politique dit que question immigration toujours été un point important dans l'élection présidentielle. Et gan pil choute qu'a fait sous président sous administration Joe Biden parce que d'après certains républicains Joe Biden pas géré question immigration bien et depuis le monté c'est comme s'il a dit bienvenue aux États-Unis illégalement. Donc c'est le côté politique et nous connaît pral gain élection mi-mandat aux États-Unis dans mi-temps mandat président mandat 4 ans gain ça relé élection mi-mandat et question ça pral vin dans élection mi-mandat. Très naturellement, Afghanistan vient dans le mandat. Et les palais d'Afghanistan, tout, il y a une question de immigrants, tout, et Afghanistan. Donc, c'est une situation que nous avons quitté dans mes spécialistes qui vont nous plus. Et nous avons rendez-vous. Restez branchés sur la Voix de l'Amérique, sur toute plateforme, nous, que c'est au niveau Facebook, que c'est au niveau Instagram, que c'est au niveau Twitter, que c'est au niveau page et site web, nous, et qui c'est VOA Nouvelle, pour nous capables de gagner des dernières informations qui sont sorties sur ce qui a passé. Que ce soit au niveau aéroport international et Port-au-Prince, Toussaint Louverture, et que ce soit tout au niveau du Mexique. D'ailleurs, nous avons un envoyé spécial qui c'est Jean-Aubert Philippe, qui lui-même, chaque fois que je joins une nouvelle, la porte le banou. D'ailleurs, il est déjà parlé avec nous, déjà depuis l'aéroport San Antonio. Et éventuellement, il a bien pour parler avec nous demain matin. Encore, par contre, s'il a bien temps lui-même, côté l'IA, est-ce que il a bien temps parler avec nous? Il faut dire que y a une différence, y a un décalage horaire par rapport à San Antonio. Et qui fait que je ne suis pas capable moi-même de décider pour Jean-Aubert parce que l'homme qui fait qu'on y a là, l'homme pas le Jean-Aubert. Nous avons une différence environ 3 heures de temps comme ça et en tout même avec San Antonio. Mes amis, c'est là que je m'ai fait une cette dernière intervention tout pour journée. Merci pour fidélité. Nous, merci de ce que nous toujours été branchés
et que pas Moïse qui a prêché dans le désert et que il y a des monde qui a suivre nous. Donc nous voulons saluer quelques monde rapidement bien que Jodian était plus voulait focus sur développement que saluer monde, mais n'a saluer Gérard et Dauphin, n'a saluer Markens et Joseph et toujours Kembe là avec nous clergé Rose Stéphanie et merci Neta Jean, moi te vois marier la cadette à l'heure dans deuxième escale du voyage. Avec beaucoup arrivé dans destination finale là. Destination finale là c'est Del Rio Lele. Mais qu'on y a maintenant destination moi on connaît qu'elle est Osona. Osona c'est toujours une petite ville dans Texas et qui situe plus ou moins à l'ouest du Texas. Côté Mbralea, c'est dans le sud que Mbrale. Là nous en route d'aide nous dans la route qui c'est elle et expressway numéro 10. Expressway ça allait mener juste dans El Paso et arriver exactement au Mexique. Donc expressway dit ça maintenant direction ouest et si moi retourner moi prendre direction est, m'a retourner encore dans San Antonio Texas. Côté que m'étais atterri matin, il était vers 1h le matin, l'avion t'a atterri avec moi. C'était premier escale là côté de là. Là moi conduit là 3 heures de temps. Bon route, bon gaz, moins circulation, moins machine en route là. Bon gaz. Bon, ici, vous permettre de conduire jusqu'à 80 000 à l'heure. Donc, au monde qui a besoin de combien de kilomètres, multiplié par 1,5 ou bien 1,6, vous pouvez prendre combien de kilomètres capable et combien de kilomètres à l'heure qu'on va conduire bon, ici. Et son zone qui est aussi, bon, Texas, ils sont gros territoires. Gros, grand territoire. Moi-même, quand je suis passé dans route, je suis fait que route, je suis fait. Et si vous avez besoin de rentrer dans la ville, il faut que vous sortiez pour sortir, pour sortir et puis pour rentrer dans la ville. Donc, pas gagner ville qui est sur route, même si vous avez besoin d'acheter un bagage, gasoline, il faut sortir pour aller dehors, pour aller sur route. Et même, étant que vous avez des ailiers, pas où est-ce pied bois, où est-ce seulement, où est-ce bon route. Donc, ça, c'est Osonalie. Osonalie même, il est situé exactement à peu près 3 heures de temps de San Antonio, Texas. Donc, puis le monde qui aime le basketball, nous, quand on a parlé de San Antonio Spurs, qui sont un club basketball dans ce nom. Alors, ça me vient de nous aujourd'hui, ça me vient de nous connaître là. Pour que ça nous saute. Nous saute exactement pour que nous connaissions que le groupe haïtien, enfin, pas haïtien, des immigrants qui arrivaient sous frontière États-Unis, partageaient avec Mexique. Et sur toute zone, et sur toute zone, et particulièrement, ils sont concentrés dans une zone qui est, Del Rio. Del Rio, c'est encore un petit bout qui est sous frontière et qui est une grosse rivière qui traverse. Et nous sommes dans tous les médias, comme nous avons monté dans la Nord Amérique, particulièrement, nous avons monté nous qui avons traversé et l'eau a pu ouest, si nous sommes capables d'entrer aux États-Unis. C'est l'objectif. Il y a des gens qui ont interviewé, qui ont dit l'objectif final, c'est ça. Mais nous avons dit qu'entre-temps, les États-Unis exécutent plan par là. Plan États-Unis, c'est déporter tout le monde, déporter tout, particulièrement haïtien. Que yo prend qui tap, qui rentré yo prend haïtien yo et yo déporté yo retourné en Haïti. En fait jodi a plan commencé mettre à exécution. Donc c'est comme ça n'a dire que c'est gagné d'après des dernières nouvelles, c'est d'avoir trois avions qui commencé voyage là et commencé mener mon retourner la caille. Il y a monde qui interviewé monde que média en Haïti ont interviewé poser question et ben ça dit monde qui dit que son sup yo surprend yo et avec décision. Ça veut dire que les gens qui ne connaissent pas, seulement ils viennent, et l'autorité vient, le chef vient, et puis ils disent, on en aller. Et là, les gens comprennent que c'est dans la prison que vous allez mettre. Et c'est vrai que vous montez un avion et puis vous gardez en Haïti. Donc c'est comme ça que les gens qui prennent Mais les gens qui viennent là, l'objectif d'abord, c'est les États-Unis. Les gens qui interviewent, qui posent des questions, ils disent les États-Unis. Qui position l'autorité américaine dit qu'il y a continué avec l'opération rapatriement. Pour qui ça va rapatrier les gens qui sont sortis à Pito. Ça sorti, par exemple, qui sont sortis au Mexique, Chili, Brésil, par exemple. Et parce que selon la loi, ils disent que les gens faut rapatrier dans le pays d'origine. Au monde, c'est en Haïti aussi, ça fait que ils ont rapatrié en Haïti. En Haïti, côté où ils sont sortis, côté où ils ont sorti. Mais il y a des gens qui attendent à autrement, qui pensaient que ça avait besoin de que l'autorité mette en prison plutôt, font juste en et peut-être le juge a statué sous caillou et décider si oui ou non ils méritent déportation ou bien si oui ou non ils doivent rester aux États-Unis, quel que soit le titre ou bien quelle que soit raison que le juge a bail là. Mais il passe c'est ce qu'a fait passer l'administration en campus sur point de faire pas et lui-même il prend une décision pour le déporter. Donc décision demain encore, mardi encore, lundi, opération déportée à la continuer. Moun qui vient en Haïti, le premier ministre haïtien, il mettait trois messages sur les réseaux sociaux Twitter pour lui exprimer
et déception li, peut-être comment que le senti que ba la fait mal qu'elle a braché pour misère dans conditions difficiles que frère haïtien yo mon m'a cité exactement Jean parler frère haïtien a vivre sous frontière Haïti et Mexique partagé avec États-Unis ben États-Unis partagé avec Mexique li dans message a toujours dit continuer dit que il faut que nous travaillons ensemble pour permettre que les haïtiens rete la caillou yo pas subi m'a cité exactement yo pas subi humiliation aller dans pays étranger parce que pour lui même il était quoi ça passé à son sorte d'humiliation il dit tout à la fin il dit que eh bien bon il accueille il dit que l'ouvert de bras pour l'accueillir haïtien yo qui cap retourner dans pays mais il dit là que et puis dans fin phrase là dans fin toute là pour lui dit que la bienvenue la caillou bienvenue la caillou parce que la caillou c'est la caillou. Ça, c'est comme ça, Premier ministre, en fait. Mais en parallèle à ça, il y a des démarches. Il y a, par exemple, l'ambassadeur Haïti à Washington, et Bokchi Edmond, qui dit même lui dit que l'écrit DHS, donc l'écrit Homeland Security Intérieur États-Unis, qui s'est occupé de questions ça, et bien pour demander lui, pour qu'il y ait un campé sur déportation, et certainement, font campé sur déportation, et pourquoi vous voulez retourner parce que Haïti a fait face à une situation très difficile avec tremblement de terre sur passé, une tempête tropicale sur le pays. Donc, le pays a beaucoup relevé de ça qui passé là-haut. Donc, pour camper en attendant que déporté mon. C'est vrai que le gouvernement haïtien reconnaît que c'est doit tout pays pour contrôler les frontières, contrôler qui me rapporte la caillou. Mais il était quoi que, et il pensait que le gouvernement américain était qu'à faire autrement, qu'à faire un petit camper en attendant de déporté mon. Ça, c'est une déclaration. Ça. Et le ministre des étrangères là tout et. Claude Joseph, docteur Claude Joseph lui-même qui était dans rencontre au Mexique, qui rencontre que pays Caraïbio est fait sous situation et son point rencontre que habitué fait pays Amérique latine et Caraïbio est habitué fait. Et bien rencontre ça, il était profité tout. Il dit que d'abord, il était rencontré avec autorités mexicaines et il était parlé de questions situation Haïti sous frontière et étendue partagée avec Mexique là. Maintenant, même ça là, tout dit qu'il faut que l'équité, quoi qu'il faut que tout pays dans la région travaille ensemble pour combattre un ennemi commun que rien, qui c'est la pandémie COVID-19. Donc, ça, c'est un tweet que le ministre des Affaires étrangères et Dr. Claude Joseph fait sous situation. Mais tout profite, tout disputé. Mais il n'a pas dit dans tout ça, est-ce qu'il y a une promesse que le ministre des Affaires étrangères mexicain fait sous question comme ça, il travaille pour améliorer la situation bien à permettre que Haïtiens aient quoi ici même qui vient nous dit que d'après sa dernière décision que l'autorité prend eh bien son opération va continuer. C'est bon, dans les médias ou des commentaires qu'a fait des monde qui dit que et qui trouvait que et qu'a posé question de préférence pour ça que les États-Unis a déporté haïtien alors que gain l'autre citoyen qui soutient dans l'autre pays dans Amérique latine ou en Amérique centrale par exemple eh bien les monde ça venir yo font procédure avec une procédure légale d'abord yo voyer devant juge et pourtant de yo et puis avant que décide si a retourner dans pays ou pas et pour que ça que haïtien pas bailler chance là c'est comme ça un groupe de pression haïtien qui basé dans Washington qui est là-dedans et bien là-dedans t'est organisé on oublie et on tient compte qu'il pas c'est pas en pile comme si il y a plein de monde qui sorti Washington qui maintenant Washington monde citoyen ici qui vient dans Washington et qui était réuni sur place Lafayette là et au même côté était fait un devoir yo puis demander et autorité américaine yo by haïtien d'abord ça le due process que la loi américaine prévoit tout monde qui vient avant qu'on prend décision voyez devant juge d'abord pour que juge à lui-même prend décision pour qu'on est sur lui en tout cas. Nous sur place, nous étions des correspondants qui sont par Mathieu Dovin, mais qui lui-même rencontré avec quelqu'un qui retournait et nous disons ouais, façon que plein de monde qui surprend, des monde qui dit que voyage à côté et nous connaissons que on voyage de Amérique du Sud pour traverser pour venir ou juste en Amérique du Nord, c'est tout on traversée, donc certainement des pays citadins, des monde qui pas arrivé faire voyage, des monde qui pas arrivé tout. Qui commence à voir qui pas arrivé parce que pour quelque soit raison santé ou bien il est mort quelque soit raison mais le peu qui arrive et n'a regardé que sous photo nous qui est présenté aux vidéos nous qui publié dans les médias n'a pas c'est des jeunes et parfois c'est des jeunes maman avec papa et des petits monde tout parmi monde ça ou pas près grand monde là-dedans parce que voyage là vraiment long mais souvent qui non seulement l'écouter tout parce que monde dit voilà pas gratuit c'est quoi gagne dans monde dépenser l'argent tout pour arriver côté rivière et voilà que les rivières là c'est ça ou pas espérer c'est ça qui arrive et que autorité américaine a mettre loi immigration en application contre et simplement les c'est seulement déportation et États-Unis dit pareil pour autant que ça coûte et ben la déporter tout monde que prend la déporter mais gen monde qu'il y a là on va prendre nouvelle sous groupe monde qui vivent en Haïti jodi a que qui certainement parmi eux qui les pas connaît que c'était déporté t'a déporté et très probablement que groupe monde ça
capable de commencer à réfléchir. Est-ce que c'était un bon choix de faire pour arriver sur la frontière, pour venir chercher à entrer aux États-Unis, ou est-ce que de retourner côté là? Voilà, c'est encore une décision qui est très difficile, parce que l'arrivée sur la frontière, pour retourner côté sorti, pour calculer combien de temps on peut faire, ou est-ce que l'autorité mexicaine est capable peut-être de comme son une crise humanitaire, faire un bagage clément pour assister les gens et permettre de arriver sur la frontière. Mais encore, c'est des questions qu'a posé et personne par contre qui s'est pas passé un jour qu'a fait. Mais il y a des gens qui sont toujours et un journaliste et un média et américain qui t'a parlé, il y a deux heures de temps depuis le campé Boson et Del Rio à côté rivière zone sur frontalière là, mais il y a deux heures de temps passé, le monde a passé pas chez moi mon campé et tout le monde a passé, c'est des immigrants qui traversent frontière qui profitent moment pour traverser. Voilà pour ça qui concerne moi-même et moi pour arriver à destination. Moi non ou toujours, mais au moins moi informé nous tout ça qui passé. Moi même moi fait première étape là, moi dans deuxième étape là qu'on y a là, moi dans Osana et c'est dans toujours dans Texas, moi dans direction ouest et demain m'a prendre direction sud, m'a à peu près deux heures et demie de côté que haïtien ou bien encore groupe immigrant Marseille. C'est l'ami. Mais m'a dit que dans avion qui est sorti, mon été transporté et immigrant haïtien aujourd'hui a gagné un avion qui est sorti au côté de Laredo au Texas. C'est toujours dans son même zone frontière, mais avion ça a été décollé là et c'est qui mène monde ça. Il y a trois avions et selon les nouvelles, il dit que c'est trois avions qui chargé à monde que il mène tourner et mon gagné un mon dit que c'est une surprise pour lui parce que il vient dire en aller mon même comprendre les dire en aller c'est dans prison pour météo et bien gens qui courent aller les réveiller ouais, le mettre dans avion et ouais. Cependant beaucoup d'autorités haïtiennes yo prend des dispositions pour que ba mon on un moment il a accueilli monio bon quelque façon et peut-être assister mon sao pour être capable reprendre chemin encore retourner la caillou côté dans zone que il est sorti mais qui est en pile temps dehors et qui était certainement et c'est pas ça qui t'a attendre que de tomber en Haïti je dis voilà que et objectif c'était arriver les États-Unis mais on n'est pas tombé pour mon sao cap tourner était certainement il y a encore l'autre encore qui sort encore cap venir dans cap venir donc autorité haïtien il gagne dans main tout parce qu'un peu monde dit oui mais l'état haïtien gagne déjà problème parle déjà et voilà que qu'on y a là gagne un autre groupe immigrant qu'on y a cap vivre dessus encore pour après ça qui parle augmenter problème et autorité et donc moi même mais en tout cas m'a prend congé de nous moi était content faut parler avec nous aujourd'hui et ça fait grand plaisir et n'a retourné parler encore très certainement prochaine fois n'a parlé directement et dans Del Rio qui peut être à 2 heures et demie de côté m'a parlé avec nous qu'on y a non et Osona c'est un autre village encore et qui me font escalade dans les demain m'a continuer à destination finale. La voie d'Amérique mobilisée, nous avons en Haïti, nous avons d'autres monde et restez branchés sur nous et puis pour nous connaître ça qui passer. Bonsoir tout le monde et bon dimanche. On parle encore. Bye bye.